pas si et Zali. Mon côté, à Kokaninayo. Oh, mon côté, à Kokaninayo. Amen. 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 Amen.
kobange lokote. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia,
yo so so kisate. Tangu tozo benga. Moto na zambe. Moto alobaka bien. Moto alobaka mokina moline yaka kasoni. Dans nos opérations, les révérends, qu'à son bon raison, à son poussé, aux opérations, à ma banque, aux opérations, à qui les joueurs. Amen, à ma banque. Bien sûr. Merci, Jésus. Aux arabes, à côté des mains. Les parviciennes, les parviciennes. Amen. Alléluia, banana zambé. Amen. Alléluia, l'église dédiée. Amen. Je vous salue tous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La persécution nous sur le sac, la compagnie Jésus-Christ au Yahya Nazareth. Amen. Amen. Avant que nous commencions notre programme, il y a beaucoup de choses dans la carte en Mali qui donne la biso. J'aimerais adorer avec vous ensemble. La colline à Tongo m'a mené à Zambé et le bon abisso. Il y a un bengi moumbo dans Zambé, chante à Zambé. Il y a un bengi moumbo dans Zambé, chante à Zambé. Amen. Ami ma biso na loyembo ya adoration ya kitoko. Merci Jésus. Ma boyanga ipona yo. Alléluia. Ce Dieu est puissant, il est merveilleux. Il est l'unique et le véritable Dieu. Alléluia. Nul n'est comparable à lui. Il règne au-dessus de toutes les puissances. Mon Dieu, mon roi, règne dans ses lieux. Alléluia. Alléluia. Yeah!
Papa, merci parce que tu es merveilleux, l'unique et le véritable Dieu. Merci parce que tu ne changes pas, toi qui nous as convoqués dans ce lieu. Papa, pour écouter de ta part, merci parce que tu veux parler comme un homme n'a jamais parlé. Merci parce que tu vas parler aux oreilles et au cœur de tes enfants et tu vas changer nos vies. Laisse que ton nom soit glorifié à jamais dans ce lieu. Règne dans ce quartier, Papa. Je me lève contre toutes les puissances contraires à ta volonté au nom puissant de Jésus. Merci, Papa, parce que tu vas utiliser ma bouche. Toi qui as fait de moi une bouche autorisée, reçois l'honneur, Papa, au nom puissant de Jésus. Je prie et je dis Amen, Amen, Amen. Amen. Donc, vendez la commune sur ma sire. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, je vous bénis tous au nom puissant de Jésus. Je m'avais vite béni Elohim El Shaddai. Lui qui nous a convoqués dans ce lieu, il sait comment il fait ces choses. Voilà, il veut nous parler. J'ai béni votre présence. J'ai béni votre présence dans ce lieu. Je m'avais aussi dit grand merci à vous, les parvisiens et parvisiennes. D'avoir soutenu ce ministère pendant mon absence. Je crois fortement ce matin, cet après-midi, ce soir, que je serai une bénédiction pour quelqu'un. J'aimerais de tout mon cœur bénir ta présence parce que beaucoup. Dans ce moment, j'aimerais bénir ta présence parce que beaucoup dans ce moment, ils se sont dans les choses du monde. Mais toi, tu es venu écouter de la part de Jésus. Voilà pourquoi je t'ai dit que les dieux de l'éparvis de l'éternel, il ne manquera jamais de te lever. La parole qui va sortir dans ces liens. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ça. Mais ce thème, laisse-moi te dire, les trois jours que notre Dieu nous a donnés, ce n'est pas avec qui nous a donné ce grand thème. Laisse-moi te dire, nous allons parler sur un part de la prière. Nous allons parler sur un part de la prière. Si tu attends parler par un part de la prière, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose, ce sont les effets de la prière. Laisse-moi te dire, pendant ces trois jours, ta vie va changer. Ta vie va changer. Ah, je ne vous écoute pas. Pendant ces trois jours, ta vie va changer. Va écouter ce que toi tu n'as jamais écouté. Parce que nous voulons parler sur l'impact de la prière. Peut-être que tu as longtemps prié. Mais ta vie n'a jamais changé. Mais crois-moi, mettre tes pieds ici dans les parvis de l'Éternel, l'église de Dieu, tu vas vivre les miracles dans ta vie. Ah, si tu es la personne qui va vivre les miracles dans la vie, applaudissez pour toi-même. N'applaudis pas Jésus assis, mes bien-aimés. C'est lui qui va parler. Moi je suis un instrument. Il veut t'enseigner, mes bien-aimés. Sans plus tarder, mes bien-aimés.
Donc la pesante. Sans plus tarder. Donc on la pesante. Nous allons plonger dans la parole de Dieu et lire la parole de Dieu. Donc on la pesante à Katiali Tangi à Yobanazambi. Pour ceux qui vont prendre note. Chapitre 6 à 18. Et nous allons aussi parler sur Jacques 5, 13 à 18. Mais donc on voit Jacques 5, 13, 15 à 18. Et afin, nous allons lire aussi la parole de Dieu dans 1 Samuel 1, 1 à 19. Sans plus tarder, je m'avais lu la parole de Dieu dans Ephésiens 6, Ephésiens chapitre 6, 18. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Amen. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Alléluia. Amen. J'avais dit que nous allons encore une fois de plus lire la parole de Dieu dans Jacques. Jacques 5, 13 à 18. Bon, mon canal à Jacques, chapitre 13 à 18. 5, 13 à 18. Pour ceux qui sont en train de prendre note, Jacques 5, 13 à 18. 13 à 18. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Bon, quand il y a un homme, il y a un qu'il prie. Assemblée. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui. En louant d'huile au nom du Seigneur. 15. La prière de la foi sauvera les malades. Et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Dix-sept. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre. Pendant 3 ans et 6 mois. 18. Pour chuter, puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Dit amen. 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 Applaudissons pour la parole de Dieu. Nous allons lire après 1 Samuel 1 à 19. Et là, nous allons lire cela après. Par rapport à notre temps, nous courons derrière les temps. Nous avons la présence tango. Et bien aimé, je vous en prie de vous asseoir au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et bien aimé, notre Dieu est puissant, il est merveilleux. Nous allons voir avec vous les points souvent. J'aimerais dire à quelqu'un que pendant ce séminaire, nous allons parler que sur la prière. Nous allons parler que sur la prière, mes bien-aimés. Et pendant ces bons moments, mes bien-aimés, nous allons voir avec vous les 5 points, mes bien-aimés. Le premier point, nous allons voir pourquoi prier. Laisse-moi vous informer. Je suis pasteur prédicateur.
Azali pasteur wa teyaka. Mais par la grâce de Dieu, je vais prêcher la parole de Dieu aujourd'hui comme un docteur. Je vais juste enseigner sur la prière. Parce qu'il y a pas mal de monde. Pas mal de personnes qui prient. Mais leur vie ne changeait pas. La raison pour laquelle nous avons ici avec moi 5 points que nous allons décortiquer avec vous. Nous allons partager avec vous. Je disais tantôt. Nous allons parler sur pourquoi prier. Deuxième point, c'est que la prière. Et troisième point, les conditions de la prière. Pour ceux qui sont en train de prendre note, je dis ceci, quatrième point, importance de la prière. Et voilà, notre cinquième point sera. Une femme de la prière. Moi si y a l'ibondeli. Une femme de la foi. Moi si moko y a kondima. Que le Seigneur bénisse sa parole, mes bien-aimés. Yahweh Zambé a pas mon aliloba na yé. Il est puissant, il est merveilleux. Nous sommes venus parler que sur la prière, mes bien-aimés. Nous sommes venus parler que sur la prière, mes bien-aimés. Dire que notre premier point c'est pourquoi prier. Laisse-moi te dire, papa, maman. Tu dois prier parce que prier, c'est une recommandation. C'est Jésus-Christ lui-même qui a dit cela. Qui est de prier sans cesse. Laisse-moi te dire, la prière change la vie d'un homme. La prière amène la lumière dans la vie de quelqu'un. La prière change beaucoup de choses dans nos vies. La prière amène des révélations dans la vie de quelqu'un. Si tu ne pries pas, tu es comme David dans les pays militaires de Saoul. Dans le Bible, ce qui est au monde de la carte, on a révélation de Ngenini. Tu es le Lenge et David a quoi ce qui est Goliath. Et voilà. Saoul lui avait donné ses tenues militaires. Mais voilà ici, David, il était un homme de prière. Ah, David, il avait des révélations. Voilà, il avait dégagé les tenues militaires de Saoul. Avec la révélation de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, il avait fait tomber. Il avait fait tomber. Y a quoi ça qui? Goliath. Ah, laisse-moi te dire, papa, maman. Quel est ce papa, père, maman? Pendant ce séminaire. Dans le séminaire, oh yo. La prière que tu vas commencer à faire. Tu vas tomber tous les Goliaths de ta vie. Ah, pourquoi ça va Goliath? Je vais dire à quelqu'un. Tous les géants de ta vie. Pendant ces trois jours. Trois jours, oh yo. Ils vont tomber. Si tu es d'accord avec moi, produisez pour toi-même. Produisez pour toi-même. Parce que toi, tu ne portes pas les tenues militaires de Saoul. Dieu le Père. Ton maître, il veut te faire un homme de prière, mes bien-aimés. Et j'aimerais informer quelqu'un. Nous sommes en train de parler sur notre premier point. Alléluia. Amen. Pourquoi prier? La prière, laisse-moi te dire, mes bien-aimés, ne peut jamais être monotone. Mais plutôt révélatif. Mais bien aimé, la prière doit être révélative. Nous connaissons l'histoire de Daniel dans la Bible. Daniel, il était un homme de prière. Mais la Bible à moi me dit que dès que Daniel avait dans l'idée de prier, voilà, Dieu le Père lui avait exalté. Et nous connaissons l'histoire de Daniel avec les rois de Babylone. Avec la prière, laisse-moi te dire, tu peux sauver ta famille. Daniel à Babylone, il avait sauvé plusieurs personnes. Parce qu'il avait la révélation avec lui. La prière, laisse-moi te dire,
Ça fait entrer l'homme dans les secrets de Dieu. Ici, Daniel, ah, Daniel, il avait même donné yes, au roi de Babylone, la définition, l'explication, le songe. Ah, voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que, alléluia, quiconque évoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé. Évoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai, chose cachée, chose que tu ne connais pas. Laisse-moi te dire, mes bien-aimés, si toi tu pries, si quelque part là, si à Bandundu, si à Mbujimayi, si à Mayombe, à Kasangulu, ils sont en train de comporter contre toi. Laisse-moi te dire, la prière fera que, tu puisses comprendre l'air sangé. Tu sauras comment cibler ta prière. Alléluia. Amen. La prière, mes bien-aimés, amène la lumière là où il y a des ténèbres. Et j'aimerais dire à quelqu'un que pendant que tu pries, il faut que tu puisses développer l'esprit d'écoute. Ouais, ça dit, mon limbo ya koyoka. Pourquoi l'homme doit prier, mes bien-aimés? On a dit le Seigneur na moto asambela. Parce que la prière à l'homme, la prière révèle à l'homme le secret. Comme je vais parler sur la vie de Daniel ici, mes bien-aimés. Bon, des limbons de les autres têtes à moto, ça dit ma bombe, ma bombe de colo, ma colo, ma bombe à Daniel. Tu es un homme de prière. Pourquoi ça monte ma bombe? Laisse-moi te dire, tu n'auras jamais peur dans ta vie. Yo, comment est-ce que tu es la bombe? Parce que tu sauras tout ce que l'ennemi est en train de planifier contre ta vie. Jérémie 33, toi ne m'as jamais. Alléluia. Amen. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées. Choses dont tu n'as jamais connu, mes bien-aimés. On parle des choses cachées. Laisse-moi te dire. Quelque part là, ils ne veulent pas que tu puisses être embauché, mes bien-aimés. Ils veulent que tu puisses rester à la maison. Ils veulent que tes enfants soient dans la rue. Quand toi tu es un homme de prière, tu vas déchouer tous les plans de l'ennemi. Pourquoi l'homme doit prier? Pourquoi tu dois prier dans ta vie? C'est pour amener la lumière dans ta maison. C'est pour changer la situation de ta famille. Comme je viens de le dire tantôt, la prière ne peut jamais être monotone. Tu dois chaque fois écouter, développer l'esprit d'écoute. Dans le Bible, prière, parce que voilà pourquoi il faut appeler tata na ye réponse. Et quand toi tu pries, tu n'as pas développé l'esprit d'écoute. Laisse-moi te dire, là ta prière n'a pas l'impact. Je vais te dire tantôt que nous sommes en train de parler sur l'impact de la prière. Voilà la raison pour laquelle même Ephésiens 6 et 18 nous le dit. Faites à tout le temps. Par l'esprit, mes bien-aimés. Par l'esprit, mes bien-aimés. Toutes sortes de prières. Des supplications. Veillez à cela. Avec une entière persévérance. La Bible nous dit très bien, mes bien-aimés.
Il besoin de sa biseau. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Toi, tu dois prier. Prier, Seigneur, même sur ton sang. Applaudissez pour la parole de Dieu. Remettez la malheur en sang, Maboko. Applaudissez pour la parole de Dieu. Mettez la malheur en sang, Maboko. Applaudissez pour la parole de Dieu. Mettez la malheur en sang, Maboko. Jérémie 33. Toi ne mens jamais. Jérémie 33, 3, il consacré. Notre Dieu est puissant, il est fidèle. Mais bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un la prière. Fait que tu puisses rester intègre, mes bien-aimés. Parce que nous voyons beaucoup de nos frères et sœurs aujourd'hui. Les samedis, il est dans les boîtes de nuit. Les samedis, dans la boîte de nuit. Les samedis, à la Banganda. Oui. Asa soit la victoire, oui. Asa la capella, oui. Mais le dimanche il vient parler à langue à l'église. Laisse-moi te dire, là ta prière n'aura pas l'effet. Là ta prière n'aura pas les parties. Voilà pourquoi Dieu est né désormais. Lui qui est le Dieu miséricordieux, il va changer ta vie. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un dans ce lieu, il changera ta vie qui est dans la prière. Ta vie qui est dans la prière. Papa, sois un homme de la prière. Papa, sois un homme de la prière. Tu verras la main de Dieu. Lui-même, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, il était un homme de prière. Il était un homme de prière. Jusqu'à présent, il continue à prier. C'est pourquoi la Bible nous dit, faites en tout le temps. Par l'esprit, toutes sortes de la prière et des supplications. Là, la Bible va plus loin pour dire, mais veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Je vais dire à quelqu'un que toi tu es un saint, mes bien-aimés. Toi tu es un saint, mes bien-aimés. Tu changeras ta vie que dans la prière. Tu changeras ta vie que dans la prière. Même si tu échoues aujourd'hui, tu dois réussir, mes bien-aimés. Même si tu es victime aujourd'hui, mais demain tu vas réussir. Nous connaissons tous le pape. Jésus-Christ lui-même est dans les jardins de Gethsemane. Jésus-Christ, il avait vu la mort. Jésus avait vu la mort. Yeshua bon qui va passer. Amen. Comme toi, mon bien-aimé. Le règne est là. Des fois, tu as des problèmes. Dans ce sens-là, ma cabotosa n'a pas. Où tu es wapi? Amen. Et pendant qu'il wapi. Amen. Et même Jésus n'a qu'à Gethsemane. Amen. À mon qui mignoli. Amen. Il avait vu la mort. À mon qui pensa lui wapi ne pena naie. Lui. Il pas pena pena naie. Il avait surmonté cela. Il y a des cas qui encore. Qu'est dans la prière. Dans la réponse de j'aimerais dire à quelqu'un qu'il était là. Avec ses trois disciples. Là bas il connaît bien ça tout. Jacques, Jean et Pierre, mes bien-aimés. Jacques, Jean et Pierre. Il leur avait recommandé de prier. C'est que la mort qui va s'amener là. Pendant même une heure, mes bien-aimés. Et quand on va mourir, on s'amène là. Mais voilà ces derniers. Dans la barre, bah on pense ça. Ils ne priaient pas. Parce qu'on s'amène là. Ils étaient en train de dormir. Parce qu'à quoi là là. Mes bien-aimés, j'aimerais quelqu'un ici, si tu veux changer ta vie, tu dois rester une femme de prière. Ah, si tu es d'accord avec moi, pressé pour toi, si tu dois commencer à prier chaque jour de ta vie, à prier pour toi-même. Parce qu'à Gethsemane, dans les jardins de Gethsemane, Jésus était dans l'angoisse. Jésus était dans la ses disciples étaient dans l'angoisse. Comme toi parfois, tu es dans les soucis. Tu fais les choses. Les choses ne marchent pas. Mami côté qu'à foufou. Foufou est à côté de la tête. Oui. Ok, côté comme Kwanga. Oui. Kwanga est à côté de la tête. Oui. Tu as même échangé tant de commerce. Oui. Bon, quoi, il va le faire à côté. Il est même échangé de la deuxième. 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 Banana, banana, banana.
témoignage. Ma solo na bete na moto te ya. Okoma témoignage. Ma solo ya mina raya jamwe. Yena moma témoignage. Ma solo ya mina raya kandi. Yena moma témoignage. Te bandeko ezali susu ngai mama Mika la cosmétologue réparatrice à l'oposo to ye li susu na ba produit na biso sans hydroquinone fait à base à ba fruits c'est naturel a to za na temetis na biso pona base à pembe mibala pembe yo mutu pembe na e beba e gata ki mambangu osa e la temetis na biso solution yango yo eye a to na mafuta pona bata mwindu bata chocolat oza mwindu chocolat kima lombango mafuta na bino yango yo fa baza ba fruit. Tozali na crème réparatrice pour na batunyos bana problème tampon, cancer de peau. Nduta o bandeko boyambango. Tozali na huile d'ananas ezo sunga makasi fe a base ya nana bandeko nanga poko sepela makasi. Tozali na gommage café na lotion tonique pour na bata ba bouton, bata ba graisse. Soin des visages, boki mambangu et ko sala biso bien. Sous du nouveau à Kinshasa, pommade anti solama peka. Yom to botama na solama peka. Alors, ki mambangu dans deux jours à pamba solama peke zo sila. Savon na biso yango po na douche et ko sala o ki toko zo longola ba salite nyon sotou mikousa na nzoto en tout cas o ko sepela. Balobi maman Mika cosmétique a yeli susu, a yeli biso beauté d'une femme, beauté d'un garçon. Tozali na machine à périte, confection périte, na 4 $ ya pamba. Oh, monsieur! Alors... Pétage! Oh, non, mais à la pétage! Solution yango eye ba produit na biseza naturel. Numéro na biso plus 243 89 98 27 674. Tozali na commune à Kalamu, quartier Matongé, avenue Pozo, numéro A17, référence cabine à courant. Bye! Similombote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa, naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté to za nango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela. Et puis, difficulté à foutre la banane à Minerval pour tout chute au bandaki. Tout ça qui avance, mais tika lindambo. Nazo banga, kebana oyo, bakata classe, bakomanango na soukate. C'est pour cela, Dieu m'a mis au cœur, n'a lancé message oyo, na batunyoso, ya mote mamalamu, basunga bana oyo, bozomona na bilili. Bana oyo, bozomona na bilili, ndambo na juna rompengaba, ndambo victoire, ndambo limité, et puis ndambo l'état pesengaye. Pour la bande de nyoso ba congolais, bobi ba réalité ni ni to, passe nango na mboka. Ce qui nga simple individu, nandimi kozwa bana oyo, na boko la na ainsi, dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelate. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça que nous avons lancé appel na bana nyoso nzambe pour la classe ya bana oyo, pour la loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Nous avons aussi un bateau nyoso baza qui est sensible, pe baza na motema ko sunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Tous na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene, tukangamina université. Kimbangiste a venu comme on a dit, marin numéro 16. Numéro de téléphone à Bissot pour un bateau, balingi va contacter Bissot pour un détail. Moussousou, il a plus 243 89 72 32 229. Zamba Pambo la bateau, nous sommes pour assister Bissot. Merci beaucoup.